Wesh les coupings, on est sur GTA V et je suis avec Maxime de Jeux Actu, qui est une des rares personnes à avoir terminé GTA V déjà. Comment est-ce possible? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu joues beaucoup trop rapidement. J'ai pas dormi. Voilà. Et alors, comment c'est? C'est une leçon de jeu vidéo, ce GTA V. C'est le jeu, l'aboutissement de tout ce que Rockstar a pu réussir à faire ces dernières années. Alors moi, j'ai joué juste quelques heures pour l'instant et c'est vrai que c'est une grosse claque. Et on est avec notre personnage préféré qui s'appelle Trevor. Exactement. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous montrer tous les véhicules du jeu. En tout cas, une grande partie. En tout cas, les plus intéressants, pour ne pas dire les tanks et les avions de chasse, notamment. Et tu peux peut-être nous expliquer du coup quelles sont les nouveautés de GTA V. Je vais aller voler un véhicule. Bah, la grosse nouveauté, bien sûr, c'est la possibilité donc de contrôler non pas un, mais trois personnages. Ouais. Donc là, on a Trevor qui est un petit peu le fou de la bande. Il y a aussi Michael. Un ancien gangster retraité qui vit maintenant dans les hauteurs de Rockford Hills, qui est l'équivalent de Beverly Hills à Los Santos. Ouais. Et puis il y a Franklin, la vingtaine, qui est un jeune... Jeune de cité, jeune de banlieue. Ambitieux et qui a envie aussi de toucher du rêve, la vie de Michael. Donc il suffit que j'appuie sur bas, c'est ça l'onglet. Voilà, en fait, tu maintiens la touche bas. Et je peux changer l'histoire et passer d'un personnage à l'autre. Exactement, très facilement. Tout moment. Je reste sur Trevor parce que j'ai envie de voler plein de véhicules pour tout vous montrer. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre un petit peu? C'est quoi l'intérêt de changer d'histoire, de personnage? Le fait d'avoir trois personnages, ça permet surtout de donner encore plus de consistance au scénario, parce qu'on sait, tous les GTA, il y a un talent d'écriture derrière ce côté bac à sable. Tu peux changer à tout moment, c'est-à-dire ou juste en dehors des missions? Alors tu peux juste... changer à tout moment, là tu l'as montré tout à l'heure, on peut switcher si on a envie de passer de Michael ou à Franklin, tu peux le faire. Mais on peut le faire également pendant les missions, c'est-à-dire pendant les braquages, qui sont qui est le cœur du gameplay. Et ça, donc il y a vraiment plein de braquages pendant tout le long du... Alors, il n'y en a pas plein, mais c'est le cœur en fait du gameplay. Il y a effectivement beaucoup de missions où il faut faire des braquages de banque. Oui, et là tu braques d'ailleurs une bagnole. Et en fait, ça permet, si tu veux, de changer. Parce qu'à un moment donné, dans un des braquages, au début du jeu, Michael se fait prendre un petit peu en otage par un flic. Et ben, il suffit de switcher de personnage et on se retrouve avec Trevor qui est juste en face de lui, qui le tient en joue. D'accord, donc c'est plus de la tactique, quoi. C'est ça, c'est une sorte de stratégie. Et en fait, les missions sont construites de façon à ce qu'on change obligatoirement de personnage, sinon on se retrouve très rapidement dans la mouise, j'ai envie de dire. Ouais, d'accord. C'est ma foi très intéressant. Et j'ai envie de dire que Squeezie va nous rejoindre pour qu'on ait essayé un petit peu tous les véhicules un petit peu zarbi du jeu. Merci Maxime. Bah de rien, je vous laisse. On commence sur un écrasement. On a une magnifique petite voiture sportive. Là, c'est une belle voiture sportive. Plutôt impressionnante. Alors attends, je descends un peu là. Oh, c'est propre ça. Mec. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Ah bah oui, non. Je suis... Voilà. Bonjour, je voudrais... Attaque ta voiture. Et ta voiture. Donc le mec, il a une caisse de dingue. Il abandonne pour prendre un truc de taco. Tu n'aurais jamais vu ça dans la vie, quoi. Je veux des tacos. Alors voilà. Qui veut des tacos? Bonjour, j'ai des tacos tout chauds. Quoi, tu veux qui pas veut, mon taco? Qui tiens. Veut mon taco? Bon, un alors, petit bus. On kidnappe un bus. C'est les mecs vraiment chelous. Je veux le bus. Moi, j'ai déjà pris. Hop, j'ouvre la porte avec mon petit doigt. Je te mets un petit coup de pierre. Allez, va, attends. Oh, c'est pas mal. Tu m'as passé, s'il te plaît, priorité à devant. Nouvelle priorité. Une priorité des la gens priorité qui sont devant. À devant. Ouh. J'aime bien ta voiture. Allez, va chez le garage. Tu vois un peu les gueules. La Santos 37. Non. Non, mais non, non. Donc ça, c'était le thème bus. Voilà, moi, je descends du bus. Le Los Santos Transit. Los Santos Transit, exactement. Pourquoi je fais ce texte? Ah, je te nique ton rocard. Alors, il y avait un flic à côté, mec. What? Ta gueule. Oh, la belle droite que tu fais. Putain, j'ai 3 étoiles, là, carrément. J'ai juste mis une droite à un mec qui me voulait... 3 étoiles. Vas-y, descends. Attends, on va s'en aller par les rails. Bon voilà, on peut être un métro. Non mais je me cache le temps que les 3 étoiles elles partent en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, arrête. Bon tiens, je te laisse dans le métro. À toi. Essaye de le prendre. Attends, c'est un train court. Oh mec. J'aimerais tellement le prendre. Ah tu peux pas. Oh non, on ne peut pas conduire le métro. What? Mec. Un peu bizarre. On est monté dans un métro. On l'a pas pris mais on est monté dedans. On a vu un suicide en direct. Ainsi qu'un suicide. Regarde les pubs, regarde les pubs. Le chien. Smell like a bitch. Le chien. Eau de toilette. Oula. Oui. T'as vu ce que j'ai dit? Mets-toi devant, mec.
Allez. Ah, moi je suis même pas rapide. Ouh là là. Putain. C'est charmant. Mec. Et pas très contrôlable. Oh, c'est l'accident. Ça c'est ma faute. Wouh. Eh oui, mon gars, qu'est-ce que tu as frauduleux. C'était pour mieux l'admirer. Oh, mec. Qu'est-ce que tu vas faire? Respect ce que t'as fait, quoi. Eh ben, le c'est voilà. Moi, j'aime faire ça. Son parachute. Ça, c'est qui, ouais. Qui n'aime pas faire ça? Petit plaisir. Voilà, puis hop, petite sieste, on ressent. Ah, on est bien. Allez, saute. Mais y'a pas de soucis. Ouh, putain, pendant un moment, je me suis dit, il va oublier de voir son parachute. Mais non. Merci. Ah, mais t'es carrément un enfoiré, toi. Voilà, c'est qui part pour le bateau. Alors, est-ce qu'on peut pas choper notre véhicule marin? Non, ah, c'est un poids. Merde. Ah, mec. J'avais oublié que la police était aussi sur, dans les mers. Essaye de voler un avion, on voit, bah oui, qui dépasse. Comment je fais pour pas passer toute seule? Ah putain, il y a des barbelés. Partout? Oh oui, mec. Prends une bagnole, Ah, il me plaît ces voilà, engins. Je sentais bien que t'allais prendre ces petits. On prend tous les engins, on a dit. Oh là là, regarde tous les flics qui arrivent. Bonjour. Je fuis. Je voulais juste faire du golf. Tu sais le porter. Bah ouais, mais attends, il fait chier là. Voilà. Je vais juste prendre un fly us là. Là-bas, je pense que tu peux lui. Mais comment tu peux monter là-haut? Je sais pas. Je vais cours. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, t'es mort. Putain, ça. Et mettez la carte un peu, les mecs. Ouais, c'est la carte du jeu. Voilà. C'est bon, ça, un petit camion. Un semi-remorque, ça va comme ça? Exactement. Ah, oh, mais. Non, bah voilà. On ne écrase pas les gens. C'était une mauvaise journée. Alors, ça, dans sa pleine puissance, ça te casse tout. Ah, bah j'espère bien, oui. Alors, on va faire un contre un contre lui, par exemple, tu vois. Ah, oui, j'ai gagné. Contre lui, t'as gagné. Contre lui aussi. Lui, t'as voilà. Gagné. Et le poteau, tu gagnes ou pas? Le poteau, rien au poteau. Oui, je vous aime. Voilà. Putain, là, il est lancé à pleine vitesse, là. Ils ont ralenti. Qu'est-ce qu'il y a? Mais mec, attends. C'est des flics? Tu m'expliques? Hein, alors, on teste, flic vs camion, voilà. Ouais, t'as gagné. Ouais. J'ai gagné l'étoile aussi. T'as gagné l'étoile. Ah, c'est propre, ça. Eh, mais c'est la sortie la plus en douceur de la planète, quoi. T'as vu ça? Alors, là on fait du stop. Alors, c'est une sorte de stop imposé, quoi. Ça, c'est pas mal. Ah! Hein? Ah! C'est des chiens de bikers. Ça va. Hein? Bien, wesh! On the road! Putain, mais les motos, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, quoi. Ah oui. Tu veux carrément trop vite, c'est trop stylé. Triangle, ouais, triangle. Wesh, triangle, good. Oh non! Oh mec, elle se fait écraser par l'ambulance, mec! T'as pas vu? What? Tu l'as jeté sous l'ambulance! Ah merde! Désolé! Tu as un mec qui roule comme ça en vrai, tu le chies dessus. Ah ouais? Bonjour! Je zigzague entre vous! Plus un danger en boulant! C'est parti pour un petit avion! Alors! Un petit Cuban 800! Faut préciser! On va aller dans une base militaire. On va essayer d'aller sur une base militaire pour voler un avion de chasse. Un avion de chasse. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que quand tu arrives dans cette base militaire, tu as 3 étoiles. Ils te disent avertissement, dernier appel, si vous dégagez pas, on vous abat. Et si tu restes une seconde de plus, on t'abat. C'est ça. Est-ce que tu nous ferais pas un petit tortillade? Qu'est-ce que tu veux? Une petite tortillade. Attends, je prends un peu d'altitude. Exactement, Jean-Pierre. Est-ce que je tente un looping? Allez, ça fait très très peur. Surtout quand tu arrives ici. J'ai l'impression d'être un vrai pilote. Ouais, sauf qu'en fait, c'est dans un jeu vidéo. Ah, trop de pression ou pas? Putain. Faut que tu restes appuyé, sur tes moteurs, ils s'éteignent, gros. Y'a pas de putain d'avion, je sais même pas comment je dis ça. XXXXX. Oh, y'a l'avion là! Oh non! En plein vol! Le speedophile. Alors, c'est facile à conduire? C'est plutôt simple. Alors, ce que j'adore, c'est de prendre les vagues comme ça.
ça rebondit vraiment bah, comme dans la vie quoi. Bah tiens, vas-y, teste. Putain, ça vibre de ouf et tout. Ah oui, tu peux braquer plus avec le... Et là, t'as fait un doigt d'honneur actuellement. J'ai fait un doigt d'honneur. Voilà. Là, tu fais un doigt d'honneur. À qui il fait un doigt d'honneur exactement? Ah, il y a un petit ciseau. À n'importe qui en fait. Mais qui va des doigts d'honneur? Petite bronzade, bronzette, pas mal. Je voulais leur foncer dessus, mais... J'ai jamais vu un mec arriver comme ça en scooter. Jamais. Bah, en même temps, il a volé, donc... Oui, aussi. Ça coûte pas très cher. Il a pas trop de remords. C'est moins cher que de l'acheter, c'est vrai. C'est même totalement gratuit. C'est même totalement pas cher. Oh, le petit buggy. Ouh, un buggy. Petit BF. Allez, on y va. June va buggy tout terrain. Au téléphérique. De maniabilité, c'est pas mal. Maniabilité, c'est pas mal. Je tente. Écoute, je tente. Tu dois être tellement bien comme ça, là. Mais oui. Mais pourquoi tu fais le mec qui se gare, là? Tu... Vélo de course, des potes. Bonjour. Alors c'est, bah, l'homme le plus viril de la planète. Bonjour. Putain. Ça m'a l'air. Putain, mais tu vas carrément vite, hein. Ah oui. Oh. Hop là. Et tu peux faire des sauts aussi, je crois, en faisant ça. Non, non, pas avec celui-là. C'est un nouveau véhicule. Allez. Waouh. Peut-être le meilleur véhicule de GTA V. Le téléphérique. J'ai presque des émotions. Désormais, on va attendre 10 minutes. T'attends, là? Oui, actuellement. Sympa, hein. La rentrée? Ouais, la rentrée, quoi. Rentrée? Ouais. Et ça va, ton problème à la... J'ai envie de tenter une petite chose. Je sens que tu vas pas réussir. Non! Ah oui! Propre! Non! Ah non, ça c'est trop dur. Ah bah. Mais pourquoi il est mort? J'avais mis un casque! Oh là là, t'as conduit ta mignon là. Je le sens. Oh, trauma crânien. T'avais pas mis de casque, putain. Ah, j'ai pas mis de casque, merde. Propre ou pas? Très, très propre. Hop, oh, oh. Du lourd, du lourd. Voilà. Une cage à hamster. Bande de nu, on voit que dalle. Ah, on voit absolument rien. Putain, c'est trop beau. Mais il y a plein de déchets. Par contre, on dirait que c'est la merde. Putain, les mecs, ils ont fait... Putain, y'a un réacteur d'avion à droite. C'est beau, hein. Voilà à quoi ressemble le fond de la mer. Voilà. Voilà, mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Bullshit. C'est comme ça que tu te déplaces quand oui. Tu piques une voiture? Ah, c'était pas pareil. 2 km. D'accord, donc c'est une route un peu sinueuse quand même, comme on dit. Hein. C'est la route de la mort. Ah oui. Alors actuellement sur cette route, il y a 400 morts par an. Oh, c'est ça qu'il nous faut. En termes de maniabilité, c'est ce qui se fait de mieux. Il y a peut-être des gens qui dorment dedans. Au pire, ils se réveilleront ailleurs. Chauffeur de nuit. Mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? On y va. Ah. Il pensait être à l'abri. C'est une maniabilité un peu différente. Hein. Mmh. C'est juste après le téléphérique. Quoi. C'est même avant le TV. J'ai plus de fun dans le. En faisant rien. Course de motocross. Ah, mais je voulais une moto moi. Putain. Ok, le décès imminent. Oh. Putain, mec. T'es devin. Oh, bah tu l'avais pas vu. J'avais vraiment pas vu. Je pense que le mieux c'est d'aller quand même en dessous. Ça veut dire change de caisse, ça. Oh, le petit camion là avec des trucs trop moches dans son coffre. Eh ben voilà, tu l'as bien vu comme ça. Je crois, je te tège. C'est la première fois qu'un camion de ce genre-là a été volé, quoi. Un truc comme ça, tu le laisses tel quel, quoi. Peut mieux faire, hein, en termes de choix de véhicule. Peut mieux faire. Salut. Voilà, sur décapotable, on peut mettre et... Putain, c'est quoi la touche, mec? Et enlever la capote. Il y a une touche, normalement. Ah, putain, mec. Ou pas. Bon, sinon... Ah. Ça va, là? T'as vu ça? Et voilà. En fait, t'as vraiment l'impression d'avoir une décapotable. C'est ça. Putain, tu peux vraiment tout le temps conduire avec un mode cinéma? Impossible de conduire comme ça. Ah bah oui, non mais mec, laisse béton, quoi. Par contre, tu... Oui. La visibilité est plutôt moyenne. Oh. Voilà, ça c'est le mode cinéma.
pour voir ces voitures en mode cinéma. Ah bah c'est pour faire des montages surtout, c'est pas utile. Quand tu conduis, c'est très compliqué. C'est moins utile. Y'a personne, vas-y, vas-y. Y'a personne. Vas-y, y'a personne. On prend le petit truc là. Putain, c'est beau ça. C'est un volant d'avion, mec. Waouh. Allez. Magnifique cet avion. Vas-y, approche-toi. Mais non. Ah, y'a tous les flics qui sont en train d'arriver. Oui. À gauche, à gauche. Attends, prie pour qu'il décolle avant, Cyprien. What? Prie pour qu'il décolle avant. Voilà. Voilà, on vient de voler un avion. Un avion de ligne. Putain. Peut-être un deuxième. Ah, passe entre deux buildings. Ok, ok. Avec le mec qui t'appelle, tu fais quoi? Je t'explique. Je suis en train de voler un avion là. Voilà. Ça te va? Ou tu veux un défi encore plus corsé? Peut-être aller en haut d'un immeuble et faire un best jump. Ah oui, ça me plaît ça. En haut d'un immeuble. Alors attends. Allez, on tente. Vite, ouvre. C'est ce que je fais. Freine avec les deux gâchettes. Vas-y, lâche tout. Et voilà, j'atterris en tong short, en tenue de yoga. Et mec, c'est le truc le plus cool que t'as fait dans toute ta vie, quoi. Voilà, et voilà. Et qu'est-ce que je fais? Attends, je... Allez, on en refait un. J'en ai marre de la vie. Alors je jette une grenade, comme ça. Et je veux atterrir avant. Merde. Là, il n'y a plus de parachute ou quoi. Bah attends, j'ai atterri dans des buissons, putain. Merde. Oh, oh. C'est chiant. Ah merde. Non, je le tente. Putain, mec, il y a carrément du monde autour, quoi. Ferme ta gueule. Il est là. Tu sors, tu rentres dedans direct, gros. Non. Pourquoi t'as fait ça? Tu vas perdre du temps. Easy. Voilà, on vient de rentrer dans la base militaire. Donc voilà, on peut se déplacer en cargo bob. Regardez un peu mon style. Ça... Ah merde. Bah là, t'as un sacré style. C'est pas grave, je continue. Je peux continuer. Oui, bah oui. Mais par contre, je sais pas par où aller, quoi. Je propose de sauter. Tu as pas mal d'hélico au cul. Voilà, il fallait sauter. Va sur la piste d'atterrissage. Mais ils sont où? Allez, là. Oh, bâtard. Non! Non mec, c'est pas possible mec. Il va faire son chassé, il va mourir. Allez. Non, il y a tout déjà. Ah, il est descendu gros. Va, non! Va à la gauche, cours. Il triangle direct, truc. Oh mec. Donc là, le deal, c'est tu vas le plus proche de l'avion, tu tues tous les mecs autour des avions, comme ça au moins tu peux décoller. Mec. Tu peux décoller easy quoi. Ah vas-y, fais le décoller. C'est bien, derrière. À ce point-là ouais. Tue les mecs, parce que après quand tu rentres dans l'avion... Il y aura juste plus personne dans le... Dans le fou. Bah ouais, ouais, ça me gêne. C'est bon. C'est bon là? Je pense que... Vas-y, tente-le rapidement. C'est un nouveau jour pour notre... Tout le monde ferme sa gueule, ok? Je suis déjà assez stressé comme ça. Putain, mec. Ce moment de win. Oh là là. Hey, tu te craches en avion, mec. T'es la honte. Ferme ta gueule. Mec! Décolle! Voilà. C'est bon. On a l'avion. C'est sur oh ce... là là. C'est sur ce moment d'Epic Win bah, qu'on se... Oh putain. Qu'on se lâche, on fait une très très bonne fin de vidéo. Qu'est-ce que tu peux dire de GTA 5? Eh ben, un nouvel opus juste formidable, incroyable, juste... Voilà, là on s'est concentré que sur les engins, bah, on vous laisse découvrir l'histoire forcément, on veut rien vous spoiler, ça serait trop dommage. Et est-ce que je me crache? Oui. Boom. Headshot. A très vite. Au revoir. Bonjour, je suis le représentant de l'association des gens séduisants de France. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne Cyprien Gaming pour rejoindre l'association des gens séduisants de France.